J'adore jouer et quand je regarde calme, et ça me ferait rêver. J'adore jouer. Belle, hein? C'est joli. Parce qu'il est partout. Je suis collectionneuse. J'aime beaucoup partir comme ça, l'imprévu, dans le mystère. Je pars en voyage. Alors, avant de partir, je ne fais pas tellement de recherches succinctes. Et c'est après le voyage que je me documente. Je fais des recherches sur leur histoire, civilisation et coutumes. Donc, avant de partir, je n'ai pas très bien préparé, mais je vais. Alors, un jour, je suis partie dans l'Inde, dans le sud de l'Inde, plus exactement à Kerala. Et là-bas, il y avait une ferme avec 11 éléphants. Donc, alors, un papin, c'est un nom qui donne aux hommes qui s'occupent des éléphants. Un papin, oui. Dans cette région, ça s'appelle papin. Alors, et un papin pour un éléphant. Parmi les 11 éléphants, il y avait des vieux et des jeunes. Parmi les papins, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Apuz. Et parmi les éléphants, il y avait un jeune éléphant qui s'appelait Shivan. Et bien naturellement, je suis très attirée par ce petit garçon, Apuz, et ce jeune éléphant. J'ai dessiné tous les jours. Je ne prends pas les photos. Avec les photos, je vois mal. Tandis que le dessin, c'est moi qui ai dessiné. C'est moi qui ai regardé tous les détails. Et j'ai transmis sur les papiers. C'est pour ça que je vois bien comment il était, comment c'était la bouche. Même les papas qui travaillaient là-bas, ils me regardaient. Ah, c'est pas bon la bouche. C'était pas comme ça. Bon, j'ai essayé de corriger, bien regarder, mais j'ai pas l'habitude. Oui, ils ne savent pas dessiner, mais ils savent si c'est bon ou pas. Quand il y a des pluies, c'est comme si un seau d'eau qui tombait du ciel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on pense que c'est une catastrophe. Mais non. Et parce que l'Inde, en été, il fait des chaleurs intolérables, intolérables. Mais ça devient plus frais, ça devient supportable pour les habitants. Et puis, pour les plantes, ça prend la vie. Et puis, c'était bénéfique aussi pour moi, parce qu'avec la mousson, ça me donnait des idées. Et comment ce petit garçon et éléphant vont s'en sortir de cette inondation? Et comment font-ils les autres animaux dans la jungle? Et comme ça, petit à petit, avec l'imagination, j'ai construit cette histoire. Et voici, au fil des jours, le banc des mammouths est né.